Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers abonnés, chers viewers, soyez les bienvenus aujourd'hui pour le troisième épisode sur Ghost Recon Wildlands. Donc j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous un très bon week-end, car moi, oui, honnêtement, je passe un week-end plutôt cool, donc on va dire que tout va bien pour le moment. Voilà, donc les amis, aujourd'hui, vous en doutez bien qu'on se retrouve dans une nouvelle province, parce que la dernière fois, donc pas plus tard qu'hier, il me semble, on était dans la province de Koro et on l'avait terminé en faisant la mission avec le docteur où il fallait protéger donc son hôpital car sa fille était née là-bas, etc. etc. Et fallait qu'on sauve aussi, si vous vous souvenez, la gringa qu'il fallait qu'on récupère, qu'on l'emmène voir un médecin et que le médecin la soigne et qu'après on l'a extrait à Okoro Alpha, mais je sais plus c'était quoi le nom du bled, enfin bref, voilà, c'était à Okoro où Bowman, l'a soignée, on va dire, d'après ce que j'ai l'avoir compris, l'a soignée. Enfin bref, elle avait un peu les nerfs contre elle. Et ça m'a quand même fait vachement rire en la revoyant, parce que je me suis dit, au final, elle est complètement à côté de ses pompes. Hein, voilà. Donc, écoutez les amis, moi je propose qu'on y va. Et aujourd'hui, j'ai proposé la mission, parce que je sais plus quelle mission je vous avais proposé hier, ou avant-hier. Donc, personnellement, je n'en ai pris une. Qui est ici, c'est Espiritu Santo, donc à 4 têtes de mort. Et j'arrive à me souvenir qu'en fait, je vous avais dit, ah, ça va être compliqué, 4 têtes de mort. Vous savez quoi? Hein? Je viens de vous dire un truc, je suis un peu barjot. Alors, vous savez quoi? On va la faire quand même. On va la faire quand même. Et on va prendre la mission Le Conseiller. Mais, on va la prendre. Voilà, on va la prendre. Allez, donc c'est parti, on va pas traîner plus longtemps. Hein, voilà quoi, raconter ma life, mais ça je pense que vous vous en foutez complètement. Alors oui, vous avez pu voir aussi que j'ai changé un petit peu mon personnage au niveau des vêtements. Oui, je me suis dit, j'ai pris celle-ci, vous savez, la tenue tactique. Je trouvais ça plutôt sympa, et puis les couleurs, il y avait que celle-ci qui se rapprochait du plus de ce que je recherchais. Voilà, donc... j'ai pris celle-là et puis je me suis dit, ah, ça change un petit peu aussi, une fois de temps en temps, vous savez. Parce qu'on a quand même, il y a quand même un avantage dans ce jeu, ce qui est plutôt sympathique, c'est que nous pouvons créer plusieurs tenues différentes et les sauvegarder. Donc, personnellement, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont jamais compris comment ça marchait, alors je vais vous montrer tout de suite, comme ça vous vous en rappelez. Et si vous n'avez pas suivi, et je vous redemande de faire retour arrière et de re-suivre. Voilà, donc c'est très très simple les amis, vous allez dans compétences ou équipement. Peu importe, et vous pouvez voir en bas à gauche, j'ai un truc où c'est marqué Y. Pour moi, c'est Y parce que je joue à la manette Xbox One. Mais si vous jouez au clavier, c'est G, donc l'un dans l'autre, bref, vous allez dans modifier apparence, et là vous descendez dans tenue spéciale, et vous aurez plusieurs tenues où, qui sont déjà créées préalablement, et qu'après vous allez modifier comme si vous avez créé une tenue normalement avec les vêtements, les accessoires, les détails de corps, etc. etc. Donc après c'est vous qui choisissez et elle se sauvegardera automatiquement dans l'emplacement que vous avez pris la tenue. Voilà pour ce qui est de la sauvegarde des tenues spéciales. Donc vous pouvez en créer jusqu'à si je vous dis pas de bêtises, excusez-moi, je crois que c'est jusqu'à 7. On va re-regarder quand même avant de dire une grosse connerie. Voilà, c'est jusqu'à 5, oh, oui, j'étais bien loin du compte, hein, j'étais un petit peu trop loin, donc c'était jusqu'à 5 tenues, donc c'est plutôt pas négligeable, hein, voilà, quoi. Moi, j'en ai créé 5 différentes, voilà, aujourd'hui, ça va être celle-ci, demain, qui sait, peut-être que ce sera une autre, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai créé une tenue, pour moi, personnellement, j'ai une tenue pour chaque truc, généralement, mais là, c'est vrai, quand je suis en vidéo, des fois, je me dis, oh, je vais changer un petit peu, je vais créer, oula, j'ai du clipping, c'est énorme, voilà, j'ai une tenue à peu près... on va dire assez aléatoire pour moi. Non, les mecs, ne tirez pas. Pas d'assaut, s'il vous plaît. Voilà, rentrez dans le véhicule bien sagement. Voilà. Donc, comme je vous disais, avant que je me fasse couper par mes trois gugus là, qui me font des siennes encore. Voilà, c'est cool, hein. Donc, comme je vous disais, je vais revenir à ça. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. J'ai créé, oui, 5 tenues. Donc, j'avais créé une tenue super. Les fiches. Une tenue spéciale pour la nuit. Voilà, habillé tout en noir, hein, je vous montrerai. Une tenue comme celle-ci qu'on a là actuellement. Une tenue un peu plus décontractée, mais celle-ci qui me sert plus pour l'exploration des régions, voilà. Vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre quand même, hein, tu fais des tenues pour chaque truc. Oui, vous savez, des fois, beaucoup de joueurs aiment bien créer des tenues comme ça pour chaque truc. Voilà, quoi. Chacun son style de jeu, hein, voilà. Et une tenue pour les combats, tout ce qui est combat quand on est en coop, voilà. Et puis une tenue, voilà, où des fois ben, j'ai envie de rentrer un petit peu, vous savez, de la joie un petit peu plus futuriste avec la tenue de Ghost Recon Future Soldier, si vous préférez.
Je pense que tout le monde doivent l'avoir, ou ceux qui ont Ghost Recon Future Soldier doivent l'avoir, cette tenue. Moi je l'ai eu, j'ai eu de la chance, donc je suis bien content, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après, comme la tenue Assassin's Creed, tout ça, bon bah malheureusement je ne l'ai pas eu, parce que je n'ai pas le jeu Assassin's Creed Blacklist, je crois qu'il s'appelle, non c'est pas Blacklist, je sais plus quel nom c'est, bon enfin bref, je n'ai pas certaines tenues, donc vous voyez que, voilà quoi. Wadi wadou. Donc allez, c'est parti, on continue les amis. Ah, il y a une mission juste à côté, les soldats de la Santa Morte. Je vais pas la faire tout de suite. Vous savez quoi, nous on va aller faire dans l'ordre, même s'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Mais je me suis fixé un ordre. Voilà, si vous préférez, je me suis fixé un ordre tout seul. Comme ça, ben... Hein, je passerai par le chemin que je me suis désigné tout seul. Wadi wadou. Allez, c'est parti. Ah là 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 là, quel beau paysage les amis, je viens de vous dire, quel beau paysage. Franchement, je m'éclate à mort. Mais peut-être à mort, j'ai fait quelques vérifications du dossier du jeu parce que je trouvais que j'avais quelques problèmes ces derniers temps avec le jeu. J'avais plus les fichages de niveau d'alerte de l'unidad. En farfouillant, on m'avait dit qu'en extrait, en avancé, il ne l'affichait pas. Alors, est-ce que c'est dû à un bug ou alors est-ce qu'ils ont raison? J'en sais rien. Voilà. Donc, il y a une médaille. Ouh, il y a une médaille. Attendez, on va aller la chercher. Alors, on va essayer de la jouer en mode furtif si possible. Voilà. Alors, je n'ai toujours pas changé mes armes, les amis. Hein. J'ai juste pris une arme, le TAR-21. Vous savez, la dernière fois, j'avais une sorte de j'avais le G2. Et là, j'ai pris le TAR-21, parce qu'il est un tout petit peu plus puissant. Mais bon, ça... Oh, hop, 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 hop. Voilà. On va se calmer, on va se calmer. Hop, hop, hop. Putain, oh, putain. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Allez, hop. On est obligé de sortir ça. Et c'était chaud, je m'y attendais pas. J'ai fait un peu n'importe quoi aussi, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'étais pris un peu au dépourvu. En fait, je vous parle en même temps, j'étais pas concentré totalement dans ce que je faisais. Faut que je sois un peu plus concentré. Mais ils s'affichent pas. Ils sont chauds, ils sont chauds. Attendez. C'est un bug ou je suis en train de planer? Ah non, il est là, il est là, il est là, je vous le confirme. Il est là. Ouais, il est là. Il est là, il est bien caché, le petit malin. Il est bien caché. Ah, le petit Vislard. Putain, je le voyais pas, mais j'ai... J'ai les yeux qui me fait les ciels. Ça, c'est une décoration. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales. Ou pire, de la force. Oh putain. Oh putain, il y a des renforts qui arrivent. Il va falloir vite. Hop, hop, hop. Un gros. Voilà, on va le calmer vite fait, bien fait. Voilà. Et nous, on va vite reprendre le véhicule. On va vite se tirer d'ici. Très, très rapidos. Oui, on tient le coup malgré tout. Hein. Il y a pas de souci, mon grand. Allez. Voilà. Donc, je me parle à moi-même. Des fois, c'est un peu bizarre. Hein. Je parle à mon personnage. J'ai l'impression qu'il me répond bon, mais non, en fait, il est en top royal de ce que je lui dis. Surtout que c'est moi qui le contrôle, donc vous voyez, c'est limite, je parle un peu à moi-même. Allez, c'est parti, on y va. C'est magnifique. Pour le moment, je vois qu'il y a du rouge à mort, les amis. Du rouge et du orange. Ça veut dire qu'il y a du people. Oh putain, oui. Effectivement, sanctuaire de la Santa Morte. Le saint des saints de la Santa Morte. Ancienne mission, j'ai pas eu le temps de dire vraiment ce qui était marqué. Alors, je pense, les amis, qu'ici il va falloir jouer du drone. J'ai bien peur que oui. Abattre le conseiller. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Ok, ils sont. Ok. On va y aller tranquillement. On va essayer d'y aller tranquillement. Je vous garantis pas. C'est le sanctuaire de la Santa Muerte. Ouvre l'œil. On va mettre un tout petit peu plus de son. Voilà, pour moi, pour que je puisse entendre. Fond, c'est complètement barré. Dans le dos, toujours choisir barré. Ouais, ils sont bien collés les deux, ils sont bien collés les deux. Ça risque d'être un petit peu plus emmerdant là sur ce coup-là. Ils peuvent pas... Vous voulez pas vous décaler. Oh putain. Il m'a pas vu. Ouais, il m'a pas vu. Ça, c'est une bonne chose. Alors, faut pas qu'on aise air parce que je pense que le conseiller va se barrer, c'est sûr et certain. Hop. On va prendre le snipe. Voilà, voilà, on est juste soupçonné, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Plus ou moins, on va dire. Une bonne chose, plus ou moins. Oh, je l'avais pas vu, lui, dis donc, le petit malin. Voilà, tu vas te calmer, toi. On est juste soupçonné. Faut pas qu'on passe en mode traqué parce que alors là il va se barrer je pense le gars. Et là ça va être après la course la chasse à l'homme. Ça va être un petit peu plus merdique.
Donc si on peut la jouer, comme je vous l'ai dit, en mode furtif, ça serait plutôt cool. Je vais essayer. Je sens déjà que vous êtes énervé derrière votre écran. Ah putain, on est passé en mode traqué. Voilà, on a assez bon, on l'a eu. Ouh, c'était assez simple. Plus ou moins. Oh, qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec mon pistolet? C'est vrai que là, honnêtement, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai voulu me défendre le plus rapidement possible avec mon pistolet. J'aurais dû sortir la mitraillette, mais qu'en fait, au final, je ne l'ai pas fait. Et au final, ça s'appelle pas une mitraillette. Proprement dit, les amis, le fusil que j'utilise, c'est un fusil d'assaut. Faut bien faire la part des choses entre la mitrailleuse légère, le fusil d'assaut et le pistolet mitrailleur. Ce sont trois catégories différentes. Hein, c'est vrai qu'on l'a traduit tous par la mitraillette, hein, voilà, quoi. Après, c'est terminé pour lui. Chacun va jouer à sa façon, les appelle comme il veut. Mais c'est vrai que souvent on raccourcit les noms des armes comme ça. Après, c'est vrai que quand on fait son jeu, ben, on s'en fout un petit peu en fait de l'arme, du nom de l'arme, totalement. Si c'est une mitrailleuse, si c'est un pistolet mitrailleur, si c'est etc. Je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est les dégâts qu'elles produisent. Surtout que, rappelons-le bien, les amis, je le rappelle encore une fois de plus, nous sommes dans un jeu. Voilà, hein, pour ceux qui disent, ouais, voilà, Oh, lui, il. Ok. Alors, ça, c'était beau quand même, les amis. sans vouloir être vulgaire, mais je crois que je lui ai fait un trou supplémentaire, hein, voilà, quoi. Il me remerciera une fois que. Il sera là-haut. C'était méchant. C'était très méchant. Ah, voilà. Donc, les amis, nous avons réussi une première mission qui était la mission Le Conseiller. Donc, je trouve que celle-ci a été assez rapide. Donc, bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. On va aller récupérer la médaille qui est là. Et puis, voilà. Puis, si on a un peu de temps, bon, on ira faire une deuxième mission. Voilà. Parce que c'est vrai que mes épisodes, j'ai envie de vous dire, le dernier, il a duré presque une heure. Ils sont un peu longs. De vous dire pourquoi c'est un peu long, parce que j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien prendre mon temps dans mes missions. Dans ce coin-là, c'est bon. Je prends tout mon temps, je réfléchis à ma tactique pour pas faire de la merde. Même si on m'a déjà reproché que je faisais de la merde. Certes, c'est vrai. Certes, c'est vrai. Je suis pas un. Comment dire ça? Comment on peut appeler ça? Un PGM du tout. Mais quand même, je prends un énorme plaisir à jouer. Donc, honnêtement, si faut être PGM pour s'amuser, bah. Je vous dis franchement, plus personne ne s'amuse. Le but est de s'éclater quand même avant tout. Et franchement, j'ai envie de vous dire quand même aussi que je joue quand même en avancée. Donc voilà quoi. Je suis pas si mauvais que ça. Hein. Voilà, nous on l'a démonté. C'est cool. On a fait le petit passage. Oh là 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 là! Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Les mecs, protégez-moi les mecs, protégez-moi, il est là. Messieurs, oh, il y a un snipe. Oh putain. Ok, on se barre. Oula. Ouh, j'ai un là qui est pas copain avec moi. Lui, il m'a fumé. Oh là là. Oh là là. C'était chaud. Là, franchement, c'était limite, on va pas dire impossible de pouvoir s'en aller. Mais là, vu qu'ils se sont regroupés sur moi, ouais, c'était sûr que je prenais cher. Allez. Heureusement que les mecs, mes coéquipiers, je les ai améliorés. Oh, il y a un hélico. Oh là là. C'est la cata. Et lui, il va pas me lâcher. Allez, fumez-le. Voilà, c'est bon. On est tranquille, allez, on se tire. On se fait pas plus repérer que ça. Putain, les boisés sont. Franchement, le paysage est beau. Franchement, j'adore le petit côté forêt comme ça, qui est vraiment super sympa. Un petit coup de snipe. On va le fumer lui là-bas, ce qui va pas nous saouler longtemps. Putain, il est bien placé en plus. Hop là, il était bien placé. Putain, en plus, il est gardé par une base, le point. Ça, c'était pas prévu. Bon, c'est pas grave. Alors, au final, il va falloir la jouer en mode finesse. On va arrêter l'alarme vite fait. Et on va appeler des mercenaires. Je crois qu'on a plus le choix, les amis. Ils sont là. Wouhou! Ils sont là. Ok. Ça va faire mal. Comment faire? Je vais envoyer mes gars. Voilà. Ouvrez le feu. Voilà, le plus possible, s'il vous plaît. Le temps que moi, je puisse trouver une position. Pour pouvoir... Les faire en mode
Non, je l'ai eu, hein. Non. Ouais, je l'ai eu. Putain, elle a mis, franchement, là, au fusil d'assaut, j'ai réussi à avoir le sniper. Ça, c'est beau. Et qu'au snipe, j'ai plus de mal. C'est pitoyable. C'est pitoyable, mais ça marche. Ça marche. Vous savez, hein, des fois, lui, on l'a eu. Alors, franchement, cette arme-là, elle est d'une tuerie. Elle est vraiment excellente. Ils sont tous là. Ils sont tous là. On va se coucher. Faut pas qu'ils me repèrent. Son, on a déjà traqué, donc c'est qu'ils sont pas loin. Mais ils me cherchent, en fait, au final. Voilà, hop. Son, j'ai pas de silencieux sur mon arme, donc c'est sûr que... Après, vous posez la question pourquoi j'ai pas mis de silencieux sur mon arme. Simplement, c'est quand ça pète comme ça, je trouve pas l'utilité de mettre un silencieux. J'aime bien, après, quand ça pète pour moi, bah, autant que ça pète bien, directement. Comme ça, c'est vraiment plus hard. Tant qu'à faire. Je vous dis, hein, tant qu'à faire, voilà, quoi. C'est fait, hein. C'est grillé, c'est grillé. Hop là, il est là, il est là, il est là, je l'ai vu. Petit malin, il se cachait bien. Voilà. Allez, hop, alors, je pense que c'est d'en bas. Oh, ils arrivent par nombre. Ils arrivent par nombre. Bon, bah écoutez, les amis, je proposais de faire une deuxième mission, mais au final, on va pas avoir le temps. Je pense qu'on va déjà pouvoir peut-être libérer cette partie de la base. Ce serait déjà pas mal. Voilà. On va baliser tout ce qu'il y a balisé. Mes gars, je vais les rassembler, s'il vous plaît. Rassemblement. Venez vers moi. Restez vers moi, restez vers moi. Voilà. Merci, messieurs. On va récupérer, nous, la médaille. Quand même, c'est ce qu'on est... On est venu exprès pour ça. Hein, Ouh, il est là-bas, lui. Il est là-bas, lui. Mais il fait le mariole, en plus, le mec. Voilà. Tu faisais le mariole. Tu faisais le mariole, mais tu ne le fais plus. Sur cette médaille, c'est presque cool. On va peut-être aller fumer ceux d'en bas aussi, tiens, tant qu'à faire, vu qu'on y est. Hein, on est chaud, les amis. On va pas s'arrêter en cours, hein. Surtout que, bah, on avance bien, donc tant qu'à faire. Allez, hop, c'est parti, les amis, on va se les fumer. Allez, go, 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 go. Allez, les mecs. Ouf, oh, putain, ça va péter, je le sens, ça va péter sévère. Oulala, 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 oulala. Donc il est bien de rester au sol. Grenade, grenade, mais grenade, mec. Bon, on n'a pas fait grand chose au final. Je vais essayer d'avancer. Il faut vraiment y aller en mode finesse. Du moins finesse. Le cacher le plus possible. Parce que vraiment, quand même, on se fait bien démonter la tronche. C'est qu'ils montent, en plus, les mecs. C'est qu'ils montent. Ils sont d'une extrême intelligence. Ouh. Oh là 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 là. Ça va mal, les amis, ça va très mal. Ça va très très mal. On va envoyer mes gars. Allez, 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 allez. Voilà, c'est des bons, c'est des bons. Faites-moi le ménage, là. Nettoyez-moi cette zone. À nous le camp. Après, je me pose la question. Oh putain, lui là-bas, il était bien camouflé. Voilà. Tu croyais que t'es resté camouflé comme ça longtemps? Tu sais à qui t'as affaire, là? Tu sais qui t'as affaire? T'as affaire au Ghost World. Et ouais, mec. Non, je... À mon avis, là, actuellement, il doit s'en foutre complètement, hein, qui je suis. On va aller baliser ce qu'il y a ici. Ça fait vachement plaisir de voir que ça se passe bien comme ça, des fois, franchement. Les rebelles enverront quelqu'un à récupérer ses marchandises. Voilà. Wouhou, c'est réussi, les amis. C'est réussi. 20 minutes pour faire une mission. Délivrer une base complète. C'est plutôt beau, c'est plutôt beau, c'est pas vilain, hein, c'est pas dégueu. Donc vous voyez, quand même qu'on s'en tire plutôt bien. Je pense même, je dis bien, je pense peut-être qu'on aura peut-être même le temps d'aller récupérer l'arme qui est ici.
Comme ça, c'est fait. Peut-être, j'y dis bien, hein, je vais pas vous faire des promesses, que je ne tiendrai pas. Mais je vais tenter. Oui, bah comme par hasard, il fallait qu'elle soit en haut, hein. Bah oui. Donc, c'est cool. Voilà, il faut que je prenne les documents, mais faut que je remonte. Putain, ça c'est dingue, ça. Ça c'est le truc, en fait, c'est chiant parce que tu descends. Et après, tu vois sur la map qu'il y a un document à récupérer en haut. Ce qui est quand même important, parce qu'il faut les récupérer, hein. On peut pas non plus passer à côté comme ça. Après, beaucoup le passent à côté, s'en foutent un peu. Moi, je les prends parce que cela fait partie du jeu. Allez, hop. Document, preuve photo, page de Bible, El Sueño. Voilà le document. Non, on va pas le voir. Ouh, j'ai bien cru qu'on allait se faire mal, dis donc. J'ai bien cru qu'on allait se faire mal. Voilà, donc on a tout récupéré ce qu'il y avait là. Dans la base de, je ne sais pas c'est quoi le nom. Ah, base de Spiritus Santo. Ok, très bien, d'accord, très bien. Écoute, je ne ferai pas de manière plus longtemps. Nous on va agir juste là. Je vais juste récupérer une crosse rétractable. Accroît la mobilité au prix de la stabilité. Bon écoutez, ça je m'en fous un petit peu. Mais on va y aller quand même, parce que bon, bah, en même temps ça nous permet de libérer la base. Et puis ça nous permet de récupérer une arme, une pièce supplémentaire de l'arme. Donc pourquoi pas. Wally Wallou, on va y aller à pied. On est à côté, on est à 600 mètres. Ça, c'est pas comme si on était à des kilomètres de l'endroit où on doit aller. Est-ce qu'il y a moyen d'escalader par là? Oui, je pense que oui. Regardez, on peut passer peut-être par là, non? Non, même pas tu passes par là. En gros, c'est démerde-toi, fais le tour, fais quelque chose. Bah ouais. On va éteindre. Attendez, c'est quoi là? On va éteindre la lumière. Vous savez quoi? On va leur couper le courant. Vu que je suis un peu un chien, les devs ça coûte cher. Vive le passage de produits. Est-ce qu'il y a moyen de passer par ailleurs, à part par ces putains de montagnes? Parce que franchement, j'ai pas envie d'escalader. Ouais, regardez. Toutes les routes mènent à Rome, je l'ai dit. Soldat la Somalte. Bon, bah ça c'est la mission, certainement pour le prochain épisode. De toute façon, même si c'est déjà fait en cop, les amis, hors vidéo, vous en faites pas, je les referai quand même. Puis il y aura même des chances que je les fasse en cop. Allez, 400 mètres, même pas, 330 mètres maintenant. Et ça se réduit, de plus en plus. Vous allez pas me dire que c'est dans une base de l'Unidad. Parce que si c'est dans la base de l'Unidad, ça va être la merde. Eh bien, j'ai bien peur que si, les amis. C'est bien peur que si. Ça risque d'être assez costaud. Surtout une idade. Lui, il a rien vu passer. Ça, c'était beau. Est-ce qu'il y a moyen d'escalader par là? Ouais, pour raccourcir. Ouais, c'est l'unidade. Oh, c'est dans une base de l'unidade. Ça va être chaud. Parce que c'est de lâche rien. C'est des lâches rien, les mecs. Attendez, il y a une tour là. Ah, il y a un guetteur. Donc on va essayer de monter par là. On va essayer de le fumer en silence. M'a pas entendu. Hop, voilà. Ça c'était beau. Je pense, les amis, qu'on va récupérer juste la pièce d'arme et puis on se laissera là pour aujourd'hui. Ah, ça sera déjà pas mal. Déjà, le plus dur et le plus long, les amis, ça va être de s'infiltrer sans trop se faire repérer. On sait tous que ici c'est assez chaud à pouvoir y accéder. J'ai une cible. Je vois une cible avec des pistolets. C'est bien encadré, hein. C'est très bien encadré. Hein. C'est trop bien encadré. J'ai une caisse d'armement en visuel. Ouais, c'est trop bien encadré. Ça risque d'être plutôt chaud. Ouh, je suis traqué. Ok, les amis, ça va être plus que chaud. On va appeler les mercenaires. J'ai envoyé mes gars. Ah, moi direct, moi je me casse plus la tête. J'envoie mes gars. Et des mercenaires. Comme ça, je me fatigue pas. Allez, vous faire tout le travail pour moi.
Vous allez me dire c'est complètement lâche. Ouais, c'est faux, ça peut être... on peut appeler ça comme ça. Mais je fais aussi mon taf. Mais c'est vrai que toute une base de unidad comme ça libérée seule, ouais, avec ces 4 gars, c'est assez difficile. Surtout en avancée, il y a quand même sa difficulté. Voilà, je veux pas qu'il me fume non plus. Voilà. Ah, unidad en plus alerté. Aïe, ça sent la cata. Ça sent la cata, ça risque d'être dur. Mais ça va être faisable. Voilà, nous on l'a fumé. On y va. Allez les mecs. C'est bon. Base unidad faite. On va couper l'électricité. Il est là. On va baliser ce qu'il y a à baliser. Oh là 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 là, ils sont... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont du people, eux. Ils avaient dit qu'ils... Voilà, tu vois plus aucune cible, mais il y en a plein qui arrivent. Allez les mecs, faites le ménage. Protégez-moi. Tant que je balise. Là, ils ont buté tous mes mercenaires, quoi. C'est grave. J'ai plus de gars. Ils vont essayer de me fumer, c'est sûr. Ouais, c'était sûr, je vous l'avais dit. Hop, on va essayer de faire sauter la voiture. Boum! Allez, hop, plus de voiture. Ça fera déjà 2 gars en moins. Ah oui, 2 gars. Voilà. Lui, il est bien caché, t'es pas malin, toi. Mais lui, il arrive à m'avoir. Tu croyais pouvoir m'avoir, mais c'est que tu croyais. Allez, hop, je vais essayer de rentrer dedans. Récupérer ce qu'il y a récupéré, rapidos. Voilà. Iwadi wadou. Bon, bah les amis, sur ce, moi je vous propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui. Avec une fin bordélique. Voilà, avec tout... avec tous les ennemis au cul. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir à laisser un petit like et les vidéos, à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez plus surtout à venir me retrouver sur ma page Facebook au nom des gameplays de Raft, vous en doutez bien, sur Twitter et sur ma chaîne YouTube où vous y êtes déjà. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Tchuss.